Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, le 8 janvier 2023, vous serez appelés à élire vos représentants à l'Assemblée nationale pour la 9e législature. Notre parti politique, Moël Bénin, le seul de la mouvance présidentielle qui, sans vaciller une seule fois et sans hypocrisie, le seul qui est demeuré ferme dans l'esprit de la réforme du système partisan tant souhaité par les Béninoises et les Béninois, prendra part aux élections législatives de 2023. Nous sommes plus que jamais convaincus et les récents soubresauts, approximations, agitations et errements dans l'arène politique nous en donnent davantage raison que la mandature qui s'ouvrira en 2023 sera décisive pour le devenir et le destin de notre pays. Elle sera une occasion unique, voire historique, dont doivent se saisir les dignes filles et fils de ce pays, des patriotes soucieux de son devenir et de l'avenir des générations à venir. Elle marquera une transition forte pour anoblir la pratique politique au Bénin, lui rendre toutes ses lettres de noblesse et la porter vers les hauteurs qui correspondent aux légitimes aspirations de nos concitoyens, avec une classe politique renouvelée et digne pour laquelle le Bénin reste l'unique passion. Notre parti politique, Moël Bénin, ambitionne en toute humilité d'être à l'avant-garde d'une telle dynamique irréversible et indispensable, et elle entend tout mettre en œuvre pour mériter la confiance des Béninoises et des Béninois. Les enjeux sont donc de taille pour notre parti. Le moment est donc venu, et c'est maintenant de pouvoir capitaliser le travail fait chaque jour, sans désemparer, parfois envers et contre tout, en dépit de tout, ainsi que tous les efforts déployés sur le terrain depuis 2018 à travers nos 77 communes où vivent nos concitoyens qui rêvent tous d'un Bénin inclusif, juste, grand et prospère. À travers notre liste « Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif », constituée de 33% de candidatures féminines, 67% de candidatures masculines, 53% de candidatures de moins de 40 ans, 83% de candidatures de moins de 50 ans et de 3 candidatures en situation de handicap visible, nous voulons porter à l'Assemblée nationale 9e législature toutes les voies porteuses de progrès pour toutes les couches sociales et ce, à travers une offre de législature inclusive qui intègre les grandes préoccupations du présent et du futur que portent à cœur nos compatriotes de tous âges, de toutes conditions et de toutes obédiences. Le développement de notre cher et beau pays, le Bénin, a changé de rythme. Cependant, il reste toujours des pans entiers de défis majeurs pour lesquels les populations attendent des réponses claires. Dans ce cadre, et se reconnaissant comme un parti inclusif des temps nouveaux, véritable reflet de la configuration et de la diversité de la population de notre cher et beau pays, Moël Bénin s'engage aux côtés de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Moël Bénin s'engage parce que nombre de nos concitoyens, à tort ou à raison, ne croient plus aux élections en général et aux élections de proximité, législatives comme communales en particulier, et n'ont plus aucune confiance ni aux institutions de la République, ni aux hommes et femmes politiques du pays. Ceci n'est pas normal et il faut que cela change. Moël Bénin s'engage parce que beaucoup de nos concitoyens estiment, à tort ou à raison, que des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement ne se préoccupent pas de leurs conditions de vie. Ceci n'est pas normal et il faut que cela change. Notre engagement pour que la représentation nationale de nos concitoyens à l'Assemblée nationale ne soit plus un leurre de la fiction ou un jeu de dupes avec le peuple, Moël Bénin s'engage dans les élections législatives de janvier 2023 à travailler avec vous pour
pour vous et pour notre patrie. La candidature de Moël Béné aux élections législatives de 2023 s'est constituée autour d'une offre claire dont le but, de manière générale, est premièrement, de restaurer la confiance et le patriotisme. Deuxièmement, de réduire le fossé social et les inégalités. Ensuite, redynamiser la solidarité nationale, renforcer et préserver les acquis démocratiques et la justice pour tous, renforcer le contrôle de l'action gouvernementale, redresser le pays et enfin refonder la République. De façon concrète, le parti Moël Béné ambitionne de contribuer à la formulation d'une vision à long terme de 50 à 100 ans pour le développement du Bénin avec un mécanisme d'actualisation. Moël Béné ambitionne de rendre justice à tous les anciens détenus politiques et les victimes de la répression du régime militaro-marxiste de l'ex-parti de la Révolution populaire du Bénin ou leur ayant droit. Moël Béné ambitionne également de contribuer à ce que les personnes impliquées dans les actes de violence lors des élections de 2019, 2020 et 2021 soient amnistiées et indemnisées les victimes innocentes ou collatérales. Moël Béné ambitionne également de contribuer à amnistier les hommes ou femmes politiques ou non poursuivis, condamnés, en fuite ou en exil pour des motifs non liés aux élections, mais qui sont considérés à tort ou à raison comme des détenus ou exilés politiques. Moël Béné ambitionne de contribuer au renforcement de l'état de droit et d'une démocratie adaptée à nos réalités socio-culturelles et endogènes au travers des assises nationales. Nous allons initier une proposition de loi pour créer le statut des royautés et chefferies traditionnelles. Nous allons proposer une loi d'orientation, cite le SSEAT, c'est une loi programme que nous allons rendre une loi organique pour planifier et asseoir le développement de notre pays sur le socle des secteurs de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des transports. Cette loi de programmation sera imposée à tous les présidents de la République élus, parce que la loi sera votée pour une période de 50 à 100 ans pour mettre fin à ce à quoi nous assistons depuis 90, à savoir l'éternel recommencement. Voilà, chers compatriotes, quelques points de ce que nous ambitionnons de faire. Je vous demande donc de donner l'occasion au parti Moël Béné de mettre en œuvre toutes ces idées qui sont les siennes à travers le vote du logo bleu, jaune, blanc, Moël Béné, pour travailler au renouvellement progressif de la classe politique. Voter Moël Béné, c'est voter pour le progrès, c'est voter pour l'inclusion, c'est voter pour le Bénin inclusif. C'est fait comme ça. Merci à tous. Rendez-vous le 8 janvier 2023 par un vote massif au parti Moël Béné.